Berseria. Berseria. Tales of Berseria. Hey Lina, tu diras à mon cousin s'il veut jouer à quelque chose que juste à me texter ou à rejoindre le call. Vous aurez un gué Sylphie en cas de problème. Faites attention à vous. Merci. Mais pourquoi l'abbaye irait construire quelque chose aussi loin? Thérèse a une idée. L'île est peut-être inhabitée aujourd'hui, mais ses ruines ont indiqué que plusieurs civilisations y ont succédé. Elles existaient à un point de convergence des courants aériens et marins, ainsi que du pot terrestre, ce qui veut dire que la malveillance s'y concentre elle aussi. C'est pour ça que les civilisations s'y sont développées et se sont éteintes. Oui, depuis la malveillance de tous ceux qui sont morts ici ne disparaissent pas, elles demeurent ici. Même après le temps, plus les civilisations sont prospères, plus ils ont eu de morts. Normalement, on n'aurait pas pu ignorer telle situation. Cette malveillance aurait dû être neutralisée il y a longtemps. Mais comme la baie est restée innominable, elle ne risque pas de se priver d'une telle source. Toute cette malveillance est un fournisseur pour la cause de problèmes. C'est l'endroit parfait. Ils sont forcément placés à l'intérieur ici. C'est un campement de la baie. Personne ne s'est stationné, mais il est bien entretenu. J'ai pu comprendre que la prochaine patrouille n'arrivait pas avant environ 10 jours. Nous avons largement le temps de trouver le terrain et de trouver du pouls terrestre. On peut aussi se reposer ici. Nul besoin de se précipiter. Nous allons trouver le terrain, mais aussi temps s'y prendre correctement. Nouveau titre disponible. Et ça faisait longtemps. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était au trône, mais j'ai l'impression que c'était hier. Il faut dire que j'entends beaucoup parler de toi, Eleanor Hume, la traîtresse. Et le fléau du corsaire? Ne t'en fais pas, j'ai pris ma dose de jus de soule de motoir. C'était aussi mal que dans tes souvenirs. Ça me rappelait pourquoi on n'était que de simples initiés. Hein? Pourquoi nous as-tu trahi, Eleanor, quand la bête t'a nommé inspectrice en patrouille et t'a confié de grandes responsabilités? C'est Oscar qui aurait dû avoir ton poste. La hiérarchie avait déjà donné son accord. Mais tu nous voulais tellement et comme il est gentil et naïf, il te l'a laissé. J'ignorais tellement qu'Oscar était censé l'avoir. Et après son refus, il a été muté sur cette île terrible et il a été gravement blessé. Et voilà que tu l'accompagnes, le monstre qui a failli le tuer. Je crois que j'ai le droit d'avoir quelques réponses. Mon but est de toujours sauver l'humanité, mais j'ai trouvé une autre voie que celle de la paille. Ce n'est pas une réponse acceptable. Je m'attendais à ce que parce que tu me comprennes. Je sais parfaitement que tu es intraitable lorsqu'il s'agit d'Oscar. Exact. Assure-toi que tes nouveaux amis sont bien au courant. Afin de protéger Oscar, je vais vous demander d'avoir confiance en moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Je comprends. Toi aussi, t'es un peu une traîtresse. Commence pas à faire du charabia. Il paraît qu'il se servait de cette île pour y détenir des exilés. La simple vue de cet endroit me déprime, je le déteste. En tout cas, pas question d'aller faire une promenade, c'est dangereux ici. Je sais, je sais. Enfin, au vu de ces ruines, la civilisation qui s'occupait de ces lieux devrait être impressionnante. Il y a un trésor caché ici, j'en suis sûr.
La loi n'est pas tendre avec les pilleurs de tombes, tu sais. Vous croyez que je serais pirate si j'avais peur de la baille? Si tu veux trouver ton trésor, vas-y, mais si t'as quoi que ce soit, ne compte pas sur moi pour venir t'aider, t'as compris? Oui, chef. Alors, tout ça pour le perdre tout de suite après, franchement. Ok, donc la porte principale, c'est la porte bleue. La puissance dont numéro 2 a fait preuve au trône et dit qu'elle était cachée au fond de lui. La sœur Melchior a dit que numéro 1 avait lui aussi une gigantesque potentielle cachée. Seulement, je pouvais m'en servir. Tirsa, vous avez en colère. Moi, contre qui? Contre moi, parce que je me suis enfui et que j'ai rejoint Velvet. Oh, ça, je ne peux pas m'en prendre qu'à moi-même. Un ennemi m'a volé mon outil. Je suis vexé, c'est à cause de ma négligence. Un outil. Je me fiche bien ce qui peut m'arriver maintenant, du moment que je peux sauver Oscar. C'est moi qui ai blessé votre frère adoré. Vous venez me demander mon aide? Oui, mais vous l'avez blessé son visage, son honneur et son cœur. Tant vous m'en voulez toujours. Au moins, vous ne pourrez pas me tuer pendant mon sommeil. Sans malheur, je suis une femme ordinaire. Comme pourrais-je indiquer le Seigneur des Calamités? J'ai parfaitement conscience de ma faiblesse, aussi blessante soit-elle. Bien écartez-vous de mon chemin dans ce cas. Teresa Velvet n'est pas si différente de vous. Elle aussi avait un petit frère qui, je sais tout, le Seigneur des Calamités, mais ça n'a plus aucune importance. Au vu de mon impuissance, c'est tout ce dont je suis capable. C'est le seul moyen que j'ai de sauver Oscar. Teresa. C'est vrai que par exemple, elle était vraiment chienne avec. Voyons. La ficette.
Allô? Hello, ça va? Ça va bien? Ouais, toi? Ouais, ça va bien. J'imagine tu joues à ton jeu là. Elle se perce à rien, ouais. Et j'imagine que t'es en live. Big brain, Ouais, je suis dans le call live, fait que d'habitude c'est pas mal ça. Ça peut arriver que je sois pas en live puis je sois dans le call live, mais c'est pas. Ça va jamais arriver que je sois en live mais que je suis pas dans le call live. Je suis tellement fort de savoir ça. Tellement un détective hors pair. Ah, j'avoue, hein. Ah, je devrais travailler pour le VR. Suis environ, en tout cas, à peu près là, au 5-6e du jeu. Ok, tu le speedrun? J'ai joué 6 heures aujourd'hui. Ok, oui, tu le speedrun. Ouais. Ouais, j'ai joué pour le vrai aujourd'hui. Hier, j'ai joué. Ouais. Hier aussi, j'ai joué 5 heures. Aujourd'hui, j'ai joué 6 heures. Puis là, ben là, c'est 6 heures plus 13 minutes. Là, c'est du temps Ah, extra. ben c'est Ah, tout du temps. attends, j'ai un texte. Les Malakim ne sont que des outils. Qu'est-ce qui te tracasse? Je sais Velvet, Eleanor ou Terraza. Tu ne sais pas qui tu voudrais avoir pour grande sœur, c'est ça? Dans ce cas, je peux t'assurer que c'est moi la plus gentille de toutes. C'est plus cruel, la plus sournoise. Ça n'a rien à voir. J'ai quelque chose à dire à Terraza. Tu as quelque chose à me dire? Alors parle, numéro 2. C'est ça justement. Je ne m'appelle pas numéro 2. Je m'appelle La Ficette. La Ficette? C'est le nom que m'a donné Velvet. Il est très important à mes yeux. Tu peux trouver quelque chose d'important? Oui, j'ai des sentiments, vous savez. Les Malakim ne sont pas des outils. Très bien. T'es renavant, je t'appellerai La Ficette. Merci, Teresa. Vous êtes plus gentille que vous en avez l'air, ma chère Teresa. Merci, Teresa. Ne vous m'étonnez pas. Au vu que de ce qu'il y a eu en jeu, je ne veux pas faire d'histoire. Le pouvoir de Teresa et d'Oscar. Velvet, dis-moi ce que tu sais au sujet d'Oscar et de Teresa. Je veux avoir une idée de ce dont ils sont capables. Très bien, Teresa et Oscar sont. Je peux donner des informations sur la baille. Dame Teresa et Oscar sont les meilleurs, même parmi les prêteurs. Certains les nomment les consuls. Il n'y a qu'une centaine de prêteurs dans le monde. Ces deux-là sont vraiment l'élite. Les consuls excellent aussi bien en combat qu'en direction des troupes. Ce sont des éléments indispensables chargés de veiller sur les villes et les instituts majeurs. Ce sont leurs talents de combattants dont nous devons nous méfier. Est-ce qu'ils sont meilleurs que toi, Eleanor? Oui, j'étais une primus, le rang en dessous de l'heure. Je n'ai jamais réussi à surpasser les heures de Teresa ni à battre Oscar l'épée à l'entraînement. Quand ils n'étaient encore que des recrues, ils partaient ensemble exterminer des dizaines de démons en une seule nuit. Après ça, le Seigneur Melkor les a suivis de près. Merci, je reste sur le garde. Apparemment, c'est ensemble qu'ils posent vraiment problème, mais pour l'instant, nous n'avons qu'un après Oscar. Oscar, maître de nouvelle art, désormais créé par le seigneur Melkor en personne. Il faut s'attendre à ce qu'il soit terrible. Tu en sais vraiment beaucoup là-dessus. C'est un peu suspect. Tu trouves? Eh bien, j'étais à la baille, donc. Donc, tu ne l'appelles pas seigneur Oscar? C'est ça qui te dérange? C'est parce que nous sommes tous les deux très populaires auprès de ces dames, et je le vois comme un rival. Excuse, fait que tu disais.
Ah, je t'ai pas entendu, ça a coupé. Ben, je disais que tu l'avais pas mal speedrun le jeu parce que, genre, tu m'avais dit que t'avais fait genre quoi là. T'avais dit à un moment donné que t'étais rendu au 1/5ème, puis là tu me dis que t'as fait le 5/6ème. Ouais. Ben, c'est parce que j'ai vraiment une ligne droite, là. Ben, j'ai ligne droite. J'ai pas si ligne droite que ça, mais. Ah, c'est fort ça, Ben il joue à Farming Simulator, yo. Il l'a acheté aujourd'hui, ouais. Mais aujourd'hui ou hier, je pense. En tout cas, il était bien content de son achat, il disait. Ok, Ouais. fun. Ah, mais aussi bien passer par là en premier. Ok, je suis là. Mais Farming Simulator, c'est quoi? C'est juste legit genre de la ferme? Je peux lui demander. Ok. Mais oui, Farming Simulator, c'est juste de la ferme. Lina, je veux savoir si tu joues à Devourer aujourd'hui. Mais t'aimerais pas mieux attendre que Dorothée soit là parce qu'on a quasiment. On va quasiment revenir sur la même map, ça va pas revenir au même. Dodo, travailles-tu aujourd'hui? Je sais pas, faudrait demander à Anne. Lina, demande à Anne si Dorothée travaille aujourd'hui. On ne sait pas exactement, mais on suppose fortement que oui, selon les dires de Anne, ce qui est quand même extrêmement fiable. Suppose. Ouais. Mais si moi, Lina puis Anne travaillaient pas, en général, elle travaille. Ah, cinématique. Elle travaille. Lina confirme. Va sûrement être fatigué ce soir. Sûrement, ouais. Oh, un arbre. Mais ça fait Un longtemps qu'il n'y a pas de cinématique. scarabée. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Là, j'ai une cinématique, ça sera pas long. Et trop. Oh, un scarabée. C'est même un Lucane tonnerre, géant de Lionel pour être exact. Pas piqué d'un ton comme nom. Moi, je trouve ça chouette. Tu peux-tu le prendre, ouais? J'ai pas jamais compris pourquoi les garçons étaient tellement attirés par ce genre de choses. Nice. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne voulais pas l'avoir? Si, merci. Quand il était plus jeune, Oscar aimait aller dans les bois pour chercher des insectes. Il était tellement absorbé par ce qu'il faisait qu'il ne regardait pas où il marchait. Est-ce que vous l'avez aidé à trouver des insectes? Oui, j'ai trouvé des goutons, mais j'étais plus grande que lui, alors c'était plus facile pour moi de les attraper. Un jour, il m'a donné tout un tas de mues de cigales pour me remercier. J'ai hurlé d'horreur en les voyant. Je suis sûr qu'il voulait seulement que vous sachiez ce qu'il ressentait. Je comprends ce qu'il a pu dû éprouver. Tu n'es vraiment pas un malaquis ordinaire pour être capable de mener de telles réflexions, tu sais. En tout cas, je sais, mais c'est très dur parfois. C'est dur pour tout le monde. Ça peut parfois vous sembler impossible, mais nous ne devons sûrement surtout pas abandonner. Quelquefois, il faut dire que l'on ressent au plus profond de notre cœur, même si on ne sait pas comment s'y prendre. Ce que je crois. Fille, dépêche-toi. De quoi parliez-vous tous les deux? Rien.
suis toujours pas le skate. Bon, cinématique finie. Donc tu disais? On pourrait peut-être essayer de... de siduler une date, comme la dernière fois pour D&D. C'est d'habitude on joue une fois par semaine, ça fait une semaine, on pourrait essayer de siduler ça la semaine prochaine. Bah, la semaine s'en vient. C'est vrai que ça pourrait marcher. Mais tu peux en chasser avec Lina. Moi, concrètement, c'est très rare que je suis... avec Lina puis Dorothée. C'est très rare que je suis pas disponible. Ben c'est plus de ce temps-ci de dos, je sais pas ce qu'elle fait puis si elle peut en soi. Parce que pour ma part, la date, c'est plus pour... c'est plus des deadlines pour savoir quand est-ce qu'il faut que je sois prêt. Et la ficette, tu as trouvé un nouveau Lucan, non? Oui, c'est Teresa qui l'a attrapé pour moi. C'est superbe, sont vraiment... ses pinces sont vraiment pointues. Edzen vient de voir cette superbe Lucan. Une seconde, je crois que c'est une rhinocéros à deux cornes. Écoutez, vous deux, je vais vous éviter toute querelle en décrétant qu'il s'agit d'une nouvelle espèce de scarabée bourdon. Tu n'oserais pas. Tu connais vraiment bien, hein? Eleanor, ce n'est pas toi qui viens de lui faire dire ça, si? Pas du tout. J'ai fait un pacte avec lui pour en faire mon vaisseau, mais nous ne sommes pas liés. Un malak qui se comporte en humain. Moi aussi, ça me surprenait. Des malakins doués de les barbets, comme les humains, c'était inconcevable. Mais rencontrer la fille Tenzin m'a permis d'apprendre la vérité. Ils rient, donc, quand ils s'amusent, ils pleurent quand ils sont tristes, et leur estomac carcouille quand ils ont faim. Leur estomac carcouille? À présent, il me paraît évident que tout comme les malakins, les démons éternels peuvent penser par eux-mêmes et avoir des sentiments. Je croyais que tu détestais les démons. Et c'est toujours le cas. Mais ce que je ressens pour eux ne se limite plus à créer de la haine. Les malakim doués de l'Everbut, les démons et les terriens aussi. Je suis sûr que tu l'as senti en l'épisode sans quoi tu n'aurais jamais capturé le scarabée pour lui. Lorsque tu as vu son visage féminin, il t'a rappelé Oscar quand il était encore petit garçon, je me trompe. J'en ai assez entendu. Chris, c'est bien froide à l'idée. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Comment ça? La fille dans l'histoire a l'air super surprise que genre un humain, ben genre, comment ça? Il y a la forme d'un humain, il y a l'apparence d'un humain, il y a le sourire d'un humain, il y a là genre il compte leur âge en tant qu'humain, il ressemble comme deux gouttes d'eau à des humains. La seule affaire qui est différente, c'est qu'il peut caster de la magie. Puis ils sont genre il y a des émotions. T'es comme ouais. Non, pas le démon, le malak, mais genre, comment ça? Le malak, c'est un genre de mage. C'est un mage qui, pour être encore plus fort, peut s'allier à des humains. Cette art pourrait être mortelle, Oscar ne doit jamais l'essayer. Attends, ce sera pas long. Teresa, quelque chose ne va pas? Rien, tout va bien. Vous n'en avez pas l'air bien. Oh, je réfléchissais, c'est tout. Vous n'avez pas eu le temps de vous reposer après votre fléau du corsaire. Vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même, vous savez. Et encore plus dur qu'avec les autres, c'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave, je sais bien que je n'ai pas de cœur. Mais il paraît qu'un malak ne sait jamais ce que son vaisseau pense. Je n'ai rien dit toutes ces fois où tu as filé en douce pour aller à lui taxi. Vous étiez au courant? Bien sûr, mais les bons maîtres savent lâcher la bride à leur chiot de temps en temps. Numéro 1 savait rester tranquille, lui. C'est la différence entre vous, j'imagine. Je suis désolé, j'imagine que c'est typique des garçons. Mais j'avais dans l'idée de te punir si tu ne changeais pas de comportement. Me punir comment? Il vaut mieux que je ne te réponde pas, je ne voudrais pas gâcher ta journée. Teresa. Regardez comment elle s'est ouverte à nous. Vous pensez vraiment qu'elle nous aidera? Je ne crois pas qu'elle nous mente, mais je pense pas qu'elle nous aide du tout non plus. Écoute, je ne pense pas avoir besoin de le dire, mais non, en effet, je resterai sur mes gardes. Au moins, une truc louche, elle est morte. Et vu qu'elle n'a pas de malaxe, ça sera fait régler. Excuse. Un malak, c'est pas gentil, c'est pas méchant, c'est ça, ses propres convictions. Là. C'est comme un humain. Là. Ok. C'est un humain qui fait de la magie, basically. Là. Mais c'est pas un humain. Mais c'est pas un humain, ouais. Ok. Bon, c'est pas. Ok.
C'est juste que ça ressemble, genre. Ben, ça y ressemble en tout point. La seule différence, c'est qu'un humain peut pas faire de magie. Ah, y a-t-il une raison pour ça? Bah, c'est que c'est pas un malak. C'est leur connexion avec la nature. Un truc du genre. Ils n'ont pas la même connexion. Puis les humains sont plus... Les humains sont plus méchants que les malaks. Fait que genre... Mais sont pas méchants, mais genre... Ils ont sont plus tendance à succomber au mal que les malaks, genre. Mais c'est triste d'être un humain, d'abord. C'est triste d'être un humain, sauf que les humains ont des capacités d'assouvissement des malaks qui leur permettent d'avoir les pouvoirs des malaks. Parce que si un humain utilise un malak comme un outil, ça le rend plus puissant. Ça le rend encore plus puissant qu'un malak? Ouais. Ok, fait que tous les humains qui ont des pouvoirs, c'est à cause qu'ils ont les pouvoirs d'un malak? Ils les votent pas nécessairement, ils peuvent être aussi amis ensemble, puis les deux sont volontairement ensemble. Ok, fait que c'est comme, même si c'est un partage, mais dans le sens que le malak qui conserve ses pouvoirs. Le malak garde ses pouvoirs quand même. Dans toutes les cas, le malak est pas perdant. Normalement, le malak est pas perdant, mais ça dépend du deal qu'il y a avec les humains. Mais même s'il y a plein de magie, le malak peut finir par crever, peut mourir comme les autres. Fait que s'il y a plein d'humains qui l'attaquent ou qui le forcent à faire quelque chose, ça va arriver qu'il se plie pareil au désir. Ok. Mais, fait qu'un humain de base, ça c'est... il y a aucun moyen de faire de la magie. À ce que j'ai compris, non, il n'y a aucun moyen de faire de la magie. Par exemple, quand un humain meurt, il peut se réincarner en malak. Ok. Puis ça, ça peut être une... Ok. Puis là, par exemple, c'est plus un humain. Un meilleur, c'est juste une évolution d'un humain, ça? Pas nécessairement, parce qu'il y a des malaks qui sont pas humanoïdes. Ah. Mais ils restent gentils. Ils sont pas nécessairement gentils, mais ils restent... Ils ont des émotions pareilles, peuvent manger pareil, ils peuvent aimer pareil. C'est pareil, là. Ok. Bon. Oh, il me fait parler par ma mère. Mais ils sont super chiants, ces amis-là. Ouais. Mais c'est triste un peu quand même. Mais ça fait très penser à genre quand les gens commençaient à découvrir que genre il y avait pas de race supérieure genre qui était comme ah genre tout le monde est égal genre. Ça sonne un peu pareil. Ben soit c'est pas tout le monde est égal parce que les malaks sont supérieurs aux autres. Oui, mais ils ont aussi d'autres faiblesses. Ils ont aussi d'autres faiblesses, comme exemple... je veux pas te cacher que... Il y en a pas qui me vient tout de suite, mais il me semble qu'ils ont des faiblesses. Mais les humains aussi sont faibles, en général. Ouais, mais ils ont chacun leur faiblesse. La logique voudrait qu'ils soient plutôt complémentaires. Ils sont censés être complémentaires, du moins? Ils sont pas censés, y a rien qui les oblige, mais... La vie serait plus facile dans leur monde, en tout cas, s'ils se faisaient juste s'entraider au lieu de s'entretuer, genre. Mais ils s'entretuent pas nécessairement, mais genre, plutôt qu'un assouvit l'autre, genre, que les deux s'aident, ça irait mieux, je pense. Mais c'est pas ça qu'ils font. Ouais, ben là, il y en a un qui est l'esclave de l'autre, souvent. Okay, ben, pas souvent, en fait, c'est tout le temps comme ça, genre. Ouais, ben ils en profitent parce que les malaks leur donnent des pouvoirs. Ouais, mais en fait, automatiquement, quand t'as un malak sous ton contrôle, tu deviens plus fort que les autres, genre. Puis le malak, s'il a fait un mauvais deal avec toi, ben genre, il est obligé de t'écouter, peu importe ce que tu lui demandes. C'est genre, littéralement un esclave, genre. Sauf qu'il y a des malaks surpuissants qui peuvent bypass le pacte, mais c'est... Genre, sauf que c'est genre super rare si j'ai bien compris. C'est genre vraiment faut qu'il soit super puissant. Ouais, c'est ça, c'est genre ultra abusé. Super rare. Ouais, dans l'idée en tout cas là.
Mais t'sais, c'est le fun au moins dans le sens. Mais d'abord, l'enfant là, qui avait des super pouvoirs pétés, là, qui avait genre ouvert un portail pis tout, c'est un malak? Ça, c'est un malak, ouais. Mais c'est un malak tellement fort qu'il peut bypass son. Comment ça? Qu'il peut bypass les contrats. Ouais. Genre, c'est comme si tu faisais un deal avec le diable, sauf que genre, t'es plus fort que le diable, ça mord. Ben, un démon, mais t'es plus fort que le démon que t'as fait le pack. Ouais, c'est genre, sans aucune explication fixe. Genre. Puis maintenant, dans le jeu, ben j'ai un skate. Ça vaut tout l'esclavage du monde. Attends, non, mais. Attends, ça faut que je te le montre, pardon, parce que je trouve ça drôle. Ok. Ok, tu vois-tu? Je regarde ça. Ouais, là je te vois. Ok, c'est un overboard. Ouais. Ah ben là, c'est cool. Ouais, ouais non, je trouve ça cool dans un monde médiéval, magique, fantaisiste. Ils disent que c'est généré par de la magie, mais c'est juste pour te permettre de te déplacer plus vite sans te faire chier. Comme l'autobus. L'autobus. Comment je pourrais dire ça? Oh. C'est comme le vélo. Pokémon. Ouais, c'est comme le vélo dans Pokémon. Sauf que celui-là, il faut que je le recharge avec des batteries magiques que je trouve une par map. Puis une fois que je l'ai trouvé par map, ben, genre, il fonctionne à l'infini. Ok. Mais j'appelle ça des batteries magiques, mais c'est pas vraiment ça. Là. Mais c'est juste genre. Ils ont donné une explication, mais l'explication, ça sert pas mal à rien. Là. C'est juste genre. Tu l'utilises. C'est juste pour dire que tu peux pas l'utiliser n'importe où, n'importe comment. Genre. Mais concrètement, c'est juste un overboard. Là. Vieux spray. Oh, ça a l'air d'être fort, ça. Mais c'est spécial quand même. Ouais, ben, d'après moi, il voulait juste mettre un élément pour te permettre d'aller vite, mais il y avait. Genre, ça leur tentait pas de te donner nécessairement un pets. Parce qu'il y a déjà beaucoup de personnages qu'il faut que tu connaisses. Fait que genre. Ils se sont juste dit une planche, ça va faire la job. Pis, ça existe pas des malaks genre qui sont pas esclaves? Oui, y en a. Là, j'ai. Lui, il est libre. Lui, c'est le seul malak qui. Genre, son maître, c'est une pièce de monnaie. Ouais. Je sais pas clair comment il a fait, mais il a fait en sorte que son maître, ce soit une pièce de monnaie. Ils sont obligés d'avoir des maîtres? S'il veut, ils sont obligés d'avoir des genres de maîtres. Parce que s'ils n'ont pas de maître, ils ont beaucoup de chances d'être contrôlés par les démons. Teresa, si on renvoyait notre plan avant d'y aller. D'accord. On dirait à Oscar... Attends, je vais te l'expliquer après. Oscar, qu'on le libérera, il dépose les armes et son malak. On l'attachera puis on récupère le terrain. On ira jusqu'au quai. Quand nous serons à bord du bateau et prêts à partir, vous serez libre de faire ce que vous voulez. Très bien, et promettez-moi une chose. Promettez-moi que vous ne toucherez pas Oscar. C'est évidemment lui, je me défendrai si j'y suis forcé. Velvet, je t'en prie, accepte-le. Fais-le pour moi aussi. Il faudra le convaincre de nous écouter. Si vous souhaitez vraiment sauver Oscar, même si cela doit vous coûter la vie, vous êtes sa sœur. Protégez-le coûte que coûte. Ok, je porterai jusqu'à la mort s'il le faut. Oui, excuse. C'est pas la pièce qui tourne toujours du même côté? Oui, c'est la pièce qui tourne toujours du même côté. Fait qu'en fait, pour cette race-là, t'es obligé d'avoir un pack. Pour te protéger dans le sens où tu peux te faire... Ça te permet de te protéger du mal, genre. Parce qu'en gros, si t'as pas une protection, en général, un humain, mais ça peut être un objet si t'es... j'ai pas compris comment il a fait, mais genre... Il a réussi à se lier avec un objet au lieu de se lier avec un humain. Puis vu qu'il est lié avec l'objet, ben genre, il est comme immune à plein de shit. Il a toute la liberté qu'il veut, ouais, c'est ça. Il fait comme il veut. Mais pis, genre, il a pas peur que son vaisseau se fasse tuer parce que son vaisseau c'est une pièce de monnaie. Fait que si son vaisseau se faisait tuer, il devrait. Ben, théoriquement, exemple comme là, lui, la ficette, c'est le malak d'Eléonore. Parce que si il n'y avait pas de malak, il serait mort. Il serait devenu un démon. Ok. Legit. Ouais, legit. Automatiquement, c'est pas lui qui décide. Il peut pas résister, c'est tu meurs. Ça, c'est une faiblesse d'être un malade, en soi.
Ouais, mais c'est pour ça que ce coup, je t'ai dit, il me semble qu'on a une grosse faiblesse, mais à chaque fois, j'oublie. C'est ça, la grosse faiblesse. C'est si, s'ils sont pas en deal avec quelqu'un, ben, ils peuvent pas. Ils peuvent survivre potentiellement, mais pas longtemps. Parce que le démon. Allô? Allô, allô. Mais. Oh! Fait que t'es devenu un reformer? De ça veut dire. Everybody want to be. Okay. Si tu m'ouvres juste pour chanter, je vais te remove dans un autre channel, si t'as jamais. C'est quand merci le channel que j'ai créé? Non? Tu devrais checker. Ah! T'as acheté Farming Simulator? Ouais. Fait que tu vas être prêt à passer dans l'amour et dans le pré? L'amour est dans le pré. Comment elle s'appelle la fille déjà que t'aimes bien de ce temps-ci? Are you? Ah, tu veux-tu proposer d'aller faire l'émission avec toi? Ah, elle a déjà dit oui! Ah ouais, t'es avec là? Non. L'amour est sur le bord du prince. Sur le bord, tu cours. Non, parce qu'elle veut qu'on apprenne à se connaître, sauf que j'y tech jamais, puis je vais jamais y parler. Ben justement, on va y ben, parler. taxi. C'est tout le pire au fond. Hein. Mais ça veut dire qu'elle est intéressée envers toi, là, si elle dit ça. Là. Ben, elle veut qu'on apprenne un peu à se connaître. Ben. C'est normal, là, je veux dire. Tu peux pas te mettre en couple avec quelqu'un que tu connais pas. Là. Wow. Tu m'as déjà fourré. On est en live, tu le sais. Oh merde. T'es dans le channel live. Il était gris, hein. Ouais, c'est vrai. Philippe a même pas vu le nouveau channel que j'ai fait. Il y a pas de nouveau channel. Oui, Attends, là j'ai une cinématique là. Je savais que vous viendrez, Velvette. Teresa? Exactement. Maintenant, lâche votre épée, libérez mon terrien. Sinon, je la tue. Espèce de lâche. Je suis désolé de que ça se passe comme ça, Oscar. Je cherche à découvrir ce qui se cache derrière les grands discours de la belle, soi-disant de raison. Étant donné de la raison est de prendre ma soeur en otage, je me mets assez de la tuer. Yes. Je suis Oscar. Je ne suis plus qu'un fardeau pour toi. Teresa, non, c'est faux. Oui. Il y a une histoire d'armes. Très bien, je dépose les armes. C'est super romantique. S'il te plaît, Benjamin, cinématique. Teresa recule. C'est une blague, Teresa. Ah, ok. Ok, elle voulait vraiment faire de moi ce cas. Je fais ça pour te protéger. Vous êtes tenu notre part de marché. Maintenant, amenez-le et disparaissez. Je ne peux pas, sa réputation en souffrirait terriblement. Teresa, qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire contre nous? Vous n'êtes qu'une simple. Vous avez raison, je ne suis bon à rien. Mais il m'a montré la lumière. Mon corps réceptif au pouvoir d'Innomina. Il a la... Grâce à lui, je pourrais protéger tous ceux qui comptent à mes yeux. Elle s'est-tu laissé tuer? Ah non, elle a fusionné. Ah, c'est encore pire. Elle s'est transformée en Terrien? Non, elle a fusionné avec lui. Je vous tuerai tous. Je ferai tout pour protéger Oscar. Non, mais on n'avait pas l'intention de tuer Oscar, des stress. Fusionner avec un terrain. Vous vous rendez compte de ce que vous faites, Teresa? Bon, ben, on se bat contre une succube. Teresa Terrion, génie de maléfique, point faible physique. Ok, elle va crever vite. Elle a 50 000 points de vie. D'accord. Elle a 100 fois plus que moi, mais elle est vulnérable à toutes mes attaques. Littéralement toutes. Ouais. C'est le seul boss qui est vulnérable à toutes mes attaques. Toutes les autres étaient résistants. Mais tant mieux. Fait que pour une fois. En soi, c'est bien. Elle a déjà au corps de sa vie. D'habitude, les boss, c'est fucking long à tuer. Oh! Ah, je vais voir c'est quoi les radios de la semaine. Ah, Lady Gaga.
Benny work. Do do do. Pay. Ben. Ben, s'il te plaît. Quoi? La musique, ça va être beau, on va s'en passer. Mais c'est la musique qui passe dans mon jeu en ce moment. Oui, mais t'es pas obligé de chanter. Non, il y a plus de cinématique, par exemple. Je suis juste fatigué dans la chanson en général. Ah, je pense que... Arrêtez, Teresa, Jean Zuppé. Je ne peux pas faire demi-tour. Il y a trop de choses en jeu. Tu iras chanter à l'émission d'Amour et dans le Prix, man. Tu iras chanter à la voix. Il va passer dans toutes les séries de TV que, genre, les matantes écoutent. Genre, les matantes de 75 ans, là. Non, attends, là, j'ai une musique fucking tasty. OK. Une musique peut pas être tasty, mais OK. Oui, elle peut l'être. À moi, je te le dis, là, je trouve que c'est sucré, le dos. La nôtre bémol. Si tu as fait ça à la ficette. Oh, la ficette est KO. Ouch. Pauvre la ficette. Oh non. Tu disais pas qu'elle était vulnérable à tout? Ouais, sauf que son attaque fait super mal, puis elle a one shot la ficette. Ah, c'est vraiment cool. Fait qu'elle a l'air quand même fort. Elle est pas forte, et c'est... Elle est pas forte parce que j'arrive déjà au dernier quart de sa vie. Mais c'est plus genre, si tu fais pas attention, elle fait très mal, genre. Mais soit en soi, tout le reste c'est facile à contrer. Mais je sais pas si tu vois mon partage, mais genre... On est 4 à l'enchaîner. En l'enchaînant en boucle, genre. Fait que ça va être pas si fait. Je vais juste échanger avec Aizen qui devrait. Aizen est KO. Anyway, c'est mon troisième revive du jeu que j'utilise. Je n'avais jamais utilisé avant. Ok, non, je pense qu'elle est plus forte sur les dernières secondes de fight parce qu'elle attaque de plus en plus vite. Bah, c'est peut-être ça, c'est sa difficulté. Mais tu trouves-tu le jeu dur pour le moment? Depuis le début, il est pas dur le jeu. Bon. Sti, il est encore KO. Parce que c'est pas moi qui ai fait le jeu. C'est pas toi qui a fait le jeu? Ça aurait été moi, ça aurait été fucking compliqué. Ça sert à rien de faire un jeu compliqué. Je veux juste faire un jeu compliqué. Ben, j'aurais fait un Dark Souls 2.0. Ben, Elden Ring est déjà là. J'ai checké pour m'acheter Elden Ring à la place de m'acheter Farming Simulator, sauf que... Il est vraiment cher. Ah, je suis... Ben, t'aurais pu t'acheter une clé? Ah, si, mon ami, game over! Ok, premier game over du jeu. Il y avait aucune clé. Ben oui, ça s'achète des clés, man. Ben, dis, va voir, il y a aucune clé. Ben, moi, je me suis acheté une clé. Ouais, mais ça se peut qu'il ait tout été vendu depuis Félix Save. Ouais, Félix, comment? Je veux que je regarde un peu, il y en a. Je veux pas te cacher que moi aussi je pense, mais. Ben, c'est parce que j'ai juste regardé sur Instant Gaming. Probablement, c'est la réponse. Ben, parce que je fais pas confiance aux autres affaires. Ah, ben là. C'est pas notre faute. Penny War. C'est pas ma faute, je suis désolé. C'est une pub pour m'enrôler. C'est quoi si j'ose? Ouais, c'est assez que j'ai des pubs sur TikTok pour m'enrôler à l'armée. Ouais, mais je pense que tout le monde a ça pour. J'ai pas TikTok, fait que je saurais pas dire. Non, mais peu importe où, tout le monde a ça, je... Mais c'est rendu que je bloque toutes les pubs. J'ai pas regardé de pub depuis vraiment longtemps. Fait que je saurais pas te dire. Non, mais je suis obligé de les regarder. Non, il y a un petit bouton pour faire signaler pub comme pub offensante. Puis ça te permet de skip. Ben, arrête de regarder sur TikTok, je sais pas. Mais attends, là, il y a une petite twerk.
Ça a dégringolé assez vite, hein. La phrase fétiche de Félix. Ça a dégringolé. Bah oui, là, je peux le dire, ça a dégringolé. Ouais. Non. Bah oui, tu vas être pub, là, tu t'es mis à dire ça. Puis on est en live, hein, by the way, juste pour te le dire. You believe it. Yeah, but I don't care. D'accord. Anyway, on sait comment s'appelle la fille qui l'intéresse, puis on est en live, juste à mettre une rediffusion de live. Ah, mais. 20$, ça te va, Phil? Une rediffusion de live, là, on pourrait l'envoyer à ta crush, hein? Pas pire, ça. Ouais. 20$, ça te va, les gars. 20$. Moi, je peux déjà l'envoyer live, le message, si tu veux. Non, mais 20$, les gars, ça te tente. 20$, c'est pas cher à payer pour rester silencieux. Ouais, comme je te dis, j'ai déjà commencé à taper le message. Ok. 70. Je sais pas, là, moi, je pars à Lily bientôt, là, fait que je vais envoyer le message, je pense. Non, mais ok, 150. Aïe, aïe. 150, ça te va? Tu parles en argent, moi je parlais plus en bitcoin pour vrai, mais bon. C'est bien 150. Tu parles en argent. 150 bitcoin, mec, t'es un petit peu craqué, là, t'as vu. Je suis preneur. Puis oui, de toute évidence, je parle en argent. Faut jamais demander quelque chose à Ben, hein. Il est pas généreux. De quoi tu veux? C'est quand est-ce que t'as fait acte de générosité extrême? Ben là, je demande à donner 150. Ben, c'est pas des bitcoins. Ben, j'ai pensé à t'acheter For Me Simulator, mais je me dis que tu l'aimes pas. Je jouerai jamais à ça de ma vie. Moi j'ai le goût que tu joues à Elden Ring, mais je sais pas pourquoi tu t'es acheté Farming Simulator à la place d'Elden Ring. Elden Ring il était pas en gros. Elden Ring coûtait aussi plus cher. Farming il a coûté 30$ là. Ah ok, tu voulais avoir un meilleur investissement. Mm-hmm. Ouais, ok. Puis aussi je pense qu'il va pas jouer longtemps Elden Ring, c'est le genre de jeu qui est trop dur pour lui. J'ai pas eu de la misère à avancer dans Dark Souls, c'est que les contrôles au clavier est dégueulasse, puis je voulais jouer au clavier. Ouais, c'est ça, stylé. Ouais. Je suis le seul qui essaye pas de me défendre pour tout ça. Je ne peux pas perdre ici. Non, mais moi je m'en vais stupé, là. Attends, c'est good. Moi j'ai une cinématique. Teresa. Je ne vous laisserai pas faire, Teresa. Rendez-vous, je vous dévorerai peu à peu. Ça ira, Teresa. Tu en as assez fait. Non, ne me regarde pas, Oscar. Je suis hideuse. Quand j'étais enfant, mon père et ma mère n'en avaient que pour mon frère et l'héritier. Mais toi, Teresa, tu étais la seule à te préoccuper de moi et à prendre soin de moi, à m'encourager à me sourire. Je ne te remercierai jamais assez pour ça. Oscar. Continue à veiller sur moi, Teresa, tant que tu seras à mes côtés. Je pourrais même vaincre le seigneur des démons. Il va se tuer. C'est dangereux ce que tu fais, tu vas mourir. Regardez-moi bien, c'est une armatisation. Tu vas crever, Oscar. C'est parti.
Il va crever. Aussi, tu crèves. Il a fusionné avec son malak. C'est un arc. C'est un sacré art. Oscar raté. Oh my god, Ruff. Il y a pas de point faible. Ah, c'est chiant ça. Mange, c'est mort. Eat that for my family. Mais pas encore fini. Une autre phase, ouais, ça je pense. Art mystique. Mais arrêtez d'attaquer la ficelle, tarnac. We're so glad to have on your today. You have one job at your feed model. You'll receive an asset from HR. Careful, it's done for the asset in model. For me, the asset is today can cause you problems. Ça c'est une
Il était trop au niveau, je pense. Oscar, arrête, c'est allé trop loin. Non, vous en êtes pris à ma sœur. Il va mourir. Il perd le contrôle du Malak. Non, il se transforme en dragon. Velvet, dépêche-toi de dévorer cette créature. Attends, il est toujours... À le bouffer son Malak. À le tuer. Vous l'avez tué. Non, je... C'est un gentil garçon, il m'avait offert cette paire de boucles d'oreilles pour mon anniversaire. C'est un héritage familial qui était censé offrir à sa fiancée, mais il ne le savait pas à l'époque. Je lui ai dit de les donner à la femme qu'il comptait le plus au monde, à ses yeux. Et vous savez quoi il a fait? Il a souri en disant que cette femme, c'était moi. Il était si adorable, si innocent, et pourtant, vous me l'avez enlevé. Hé, hey, attends, là. Si... Vous avez tué mon Oscar. Comment avez-vous pu? Comment avez-vous pu? Ne fais pas ça. Tu es gravement blessé. Je vais te soigner. Ne pleure pas, Oscar. Tu es fort. Si fort. S'il te plaît, c'est une cinématique. Je vais pas cacher que la mort de ces deux personnages-là me fait pas plus de peine que ça. Parce qu'ils ont fait aucun effort à leur survie. Teresa, Oscar. S'il te plaît, Benjamin. I love for Marvel, me échapper de si loin à le pied. Je n'avais pas le choix. Je devais le faire pour la fille. Pour mon petit frère. On était clairement pas le bon niveau. Assez rite de maître forgeron. Vous permet d'améliorer votre équipement jusqu'au niveau 9. Ils sont morts. Et c'est moi qui les ai tués. Je ne vaux pas mieux qu'Altorius. J'ai tué son frère devant ses propres yeux. Ce n'est pas pareil. C'est pareil, mais je n'avais pas le choix. C'était le seul moyen de te venger. Je l'ai fait pour toi. Tout ça, c'était pour toi. Je n'ai pas voulu que ça se passe comme ça. Il n'y a aucun endroit où trouver refuge, ni pour moi, ni pour toi.
Il ne reste aucun endroit. Ça va? J'ai trop mangé, voilà tout. Ils étaient si proches et ils se soutenaient mutuellement depuis leur plus tendre enfance. Je n'ai fait que leur subir le sort qui est que tu comptes sauver par leur mort, l'âme de mon frère assassiné. Quoi qu'il en soit, nous avons échoué à récupérer le terrain. Il s'est probablement en train d'en créer un nouveau à l'heure qu'il est. Il n'y a pas de temps à perdre, tournons pas et commençons notre recherche. Ouais. Les chaînes de la transgression. J'étais obligé, je n'avais pas le choix. Velvet. Un nouveau terrain à naître. Je ne pensais pas que Velvet devrait vraiment Teresa. Que pouvait-elle faire d'autre? On ne pensait pas non plus que Teresa serait intérieure. Velvet et Teresa n'étaient pas si différentes. Elle aimait toutes les deux beaucoup leur frère. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains n'ont qu'une envie, les tuer. Et maintenant, que fait-on? Je mène que nous devons trouver un nouveau terrain qui va remplacer Teresa. Trouver un autre terrain ne sera pas facile. Ça ne le sera pas non plus pour la bête, qui ne pourra d'ailleurs toujours pas réveiller Nyamina. Mais on n'est pas non plus sortis d'affaire. Non, en effet. Si les terrains mettent du temps à renaître, on tient peut-être une occasion d'attaquer. En tout cas, les liens entre Inoma et les sept terrains ont été coupés. Mais nous ne sommes pas encore certains qu'ils soient affaiblis pour autant. Je vais essayer de caser un nouveau terrain, retournant à la prison. Je crois que Velvet a besoin de se reposer un peu. D'accord, si nous attendons qu'un Taurus, nous devons l'avoir à nos côtés. Oui. Taïen!
Enzen, nous avons des ennuis. Nous venons recevoir un message d'urgence en provenant du port. C'est quoi? Elle va tout transformer et transporter dizaines d'exercices en pris la mer. Ils ont reçu ordre d'éliminer le seigneur des calamités. On dirait que notre cachette n'est pas si cachée que ça, finalement. Ce n'est pas moi, je ne leur ai rien dit. Alors, ça ne t'arrange pas de nous aider, nous devons secouer Ethereum. Aucun problème, je ne les laisserai pas prendre comme Moana. Attention, les sanguins qui t'ont fait parvenir cette information? Non, c'est un Camelot avec qui j'ai souvent fait affaire. Les opérations exercées, ce sont genre extrêmement complexes. Si tu voudrais me faire croire qu'un simple civil serait au courant, tu penses que c'est un piège? Que ce soit un piège ou non, nous n'avons pas le choix. Nous aimons toutes les cartes en main. Ils nous tendent un piège, c'est qu'ils se croquent de gagner. L'Armatus. Oui, nos ennemis seront certainement d'exercices armatisés. Mais ton bras de démon ne peut lutter contre un Armatus. Je crois que nous avons un véritable problème. Si je ne peux pas les dévorer, nous les tuerons. Oui, si nous réussirons à vaincre les exercices armatisés, nous gagnerons. Comme avec Oscar, sauf que son Armatus est incomplète. D'après ce que j'ai compris, c'est un exercice très armatisé pendant trop longtemps. Son malaque se transforme en dragon. Pour empêcher que ces dragons nés se retrouvent en liberté dans la nature, mais qui aura implanté un arbre de toute destruction pour chaque exercice et chaque malaque.